tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec Marcel. Abonnez-vous à la chaîne de José. Parlez les Burecs, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine. Voilà, plein épisode 2, donc ça va changer un peu. Il y aura des voix off. La première fois pour moi, deux mois pour le résumé de cette semaine. Et la deuxième pour les recrues, ça sera celle d'Arthur. Il est pas là, je sais pas où il est. Bref, Arthur, bon, il est pas là. On s'en fiche. Donc je vous laisse voir cette vidéo. On se retrouve à la fin. Donc, mes amis, on se retrouve pour la partie résumée de la semaine. On commence avec le match d'ouverture du championnat pour l'OL face à Amiens. C'était samedi, dimanche à 15h, victoire de l'OL, 2-0. Donc, le débrief, le lien dans la description de la playlist de l'OL. Allez voir les débriefs, le débrief du match. Alors, après dimanche, bon, lundi, entraînement. Pas de jour de repos, c'est direct un entraînement à 10h30 qui était ouvert au public avec la préparation pour le match face à Reims. Mardi, c'est un entraînement à huis clos, 10h30, toujours une préparation. Donc je vais essayer de trouver les images de l'entraînement si je peux, autrement désolé si j'en trouve pas. Mercredi, encore à 10h30, ouvert au public, encore une préparation. Jeudi 16 août, 15h30, huis clos, entraînement. Bon, il y a dû avoir aussi des séances vidéo entre temps, séances musculation, tout ça, il y a eu pour se préparer pour ce match. Et bon, Reims, OL, défaite de l'OL à Reims, 1-0, la vidéo là. Pour parler un peu du match d'Amiens aussi, on rajoute après ça, il y a aussi Nabil Fekir qui a été présenté avec la Coupe du Monde pour ce match, qui n'a pas été du déplacement à Reims. Au niveau des autres choses, Amine Gouiri qui est victime d'une rupture du ligament croisé interne du genou gauche et qui est absent au moins pendant 6 mois. Voilà pour les blessures, pas d'autre chose à rajouter. Pour l'info, OL, à part les conférences de presse toutes les semaines à chaque fois. Cette semaine, c'était Gorgelin qui s'y collait avec Brune. Et Fernando Marsal, toujours blessé au mollet. Anthony Lopez a purgé toute sa suspension. Alors les amis, maintenant on passe aux infos recrues. Les départs, les arrivées, tout de suite. Et donc c'est le moment de parler mercato maintenant pour la semaine lyonnaise. On va parler du mercato lyonnais et notamment tout d'abord du côté des départs. Alors lundi on a appris l'officialisation après les déclarations de Jean-Michel Aulas après le match face à Amiens. On a appris l'officialisation du départ de Mizian Maolida pour un montant de 10 millions d'euros et 20% à la revente, 30% à la revente. Donc du côté de l'OGC Nice. J'espère pour lui qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Alors, pas mal de monde critique ce départ, surtout avec la blessure d'Amine Gouiri dont on vous a déjà parlé. C'est dommage, un jeune qui part comme ça, mais bon, après, faut lui laisser sa chance. Il aurait sûrement pas eu énormément de temps de jeu à l'OL, donc pour lui, c'est très bien. Du côté des départs au circuit, des rumeurs traînent sur le départ de Maxwell Cornet. D'ailleurs, encore plus depuis hier soir, sur sa page Instagram, il a avoué que peut-être il pouvait partir à Wolfsburg et que son championnat préféré était la Bundesliga. Donc ça revient avec insistance le départ de Maxwell Cornet vers la Bundesliga et donc plus particulièrement vers Wolfsburg et Schalke 04. Wolfsburg aurait d'ailleurs fait une offre de 19 millions d'euros et 20% à la revente. Aulas et l'Olympique Lyonnais en demanderaient 20 plus 30% à la revente.
Voilà. Et puis Jean-Michel Aulas réfléchirait à ne peut-être ne pas laisser partir puisque Genesio demande à garder Maxwell Cornet. Et en plus de cela, la blessure d'Amine Gouiri fait qu'il nous manquerait un attaquant sur le banc. Pour continuer, donc maintenant, on va parler des arrivées, du côté des arrivées. Rien encore d'officiel du côté de l'Olympique lyonnais. On a d'abord commencé la semaine avec toujours le même dossier, le dossier du mercato lyonnais Rubén Dias. Comme quoi que normalement Jean-Michel Aulas aurait dû se retrouver mercredi du côté de Benfica Lisbonne, donc du côté de Lisbonne, pour négocier le transfert de Rubén Dias avec une offre supérieure à 40 millions d'euros. Il n'a pas été vers Benfica puisque Benfica, il n'a pas été à Lisbonne puisque Benfica s'est qualifié. Et alors refuserait toute négociation en attendant le barrage de Ligue des Champions qui va se jouer cette semaine et qui se terminera le 29 août, soit 2 jours avant le Mercato. Donc l'Olympique lyonnais est allé repister quelques joueurs. Lundi, il me semble qu'on a appris une rumeur comme quoi l'OL aurait fait une offre de 9 millions d'euros pour le Brésilien Rodrigo Caio. Ce Brésilien, mais on n'a pas eu d'autres news sur ce dossier-là. Puis Demagoj Vidal, finaliste de la Coupe du Monde, qui faisait la paire avec Dejan Lovren, expérimenté du Beşiktaş, 29 ans, a été est revenu avec insistance quand même du côté lyonnais, avec une offre a priori de 12 millions d'euros. On aurait été avec Monaco sur l'affaire en concurrence. Le club de Beşiktaş en demande 15 millions d'euros, à voir. Pourquoi pas qu'il vienne. Il a fait une belle Coupe du Monde. Après, je sais que c'est un démolisseur. En tout cas, il a l'expérience. Moi, je pense que ça peut être toujours mieux que Jérémy Morel en défense centrale. À cela s'ajoutent les déclarations de Jean-Michel Aulas du côté des arrivées qui sont intervenues après le match de vendredi pour Jason Denayer, le joueur de Manchester City, l'international belge, qui devrait normalement signé avec Lyon. Alors lui, il avait dit samedi, mais apparemment non, ça serait plutôt aujourd'hui lundi, puisque quand j'enregistre, on est lundi matin. Donc aujourd'hui lundi, il a apparemment débarqué hier soir à l'Olympique Lyonnais dans la ville d'Aigone, dans la capitale des Gaules, et donc devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Voilà, c'était la petite page mercato de la semaine. On a bien parlé. Et donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra vous parler de l'officialisation d'un défenseur central ou de deux, puisque je rappelle, l'Olympique lyonnais envisagerait même de recruter 2 joueurs en défense centrale, puisque Rennes piste Jérémy Morel, lequel a été confirmé comme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et. Michel Pali, à la prochaine!